pouvoir participer à tous les établissements qu'elle a préparés, mais surtout les boissons qui se font là. Directement, elle a préparé aussi pour pouvoir faire une petite tapas de maïs, voilà, c'est la galette de maïs dorée, à laquelle je crois que tout le monde aimerait bien goûter le guacamole. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle a eu l'idée de préparer les petites tapas avec le guacamole. Vous pouvez prendre ce que c'est les boissons locales, voilà, à préparer avec cela. Ça s'est fait à base de maïs rouge, mais c'est comme une infusion qui se ressemble un peu à le tequila. Voilà. C'est là qu'il faut se faire accompagner avec le citron, il y a un peu de sel. Vous prenez un petit verre, vous prenez comme le tequila, vous connaissez comment. Avec un peu de sel. De la même façon, on le veut. Comment ici, après, vous voulez c'est le rhum qui a été la préparation de mojito maya. Voilà. Et aussi, il y a la fusion avec le jus d'orange. Voilà. Comme ça, je vous conseille d'abord goûter ce que c'est la tournée maya, que c'est des boissons sacrées pour les maya quiche. Et c'est celui-là que, justement, a été mis. On est à favor d'une croyance, mais plutôt de quelqu'un qui est venu pour visiter la Bolivie, qui s'appelle Yachigak. Le président de Yachigak est venu, il a fait la présence, il a bien sûr amené des masques, et comment aussi le Pablo, voilà, qui on était bien sûr acheté pour lui, pour les amener au musée. Le musée qui l'orçait. Et puis après, il a habité à San Juan de la Laguna, dans lequel était le parc qui appartient aussi à la famille. Voilà. Bon, c'est aussi accompagné de la musique, c'est l'instrument national qui s'appelle marimba, qui est vraiment, ça c'est quelque chose qui ne peut pas manquer dans une fête quand on invite à quelqu'un avec le plaisir de l'avoir chez nous. Et aussi, vous pouvez voir que c'est une orchestre. Et justement, avant de que tout le monde commence à goûter son verre, voilà. Il y a un petit surprise qu'ils nous sont préparés pour vous. Voilà, et justement, je crois que ça, ce n'est pas quelque chose qui nous prépare à ça. Voilà, peut-être, il a eu la bonne intention. Je espère que cela, ça va vous plaisir. Voyez ce que la suite elle va nous faire. Et en finissant cette activité, vous pouvez tous passer son servir avec le rhum. Mais justement, c'est la décoration de comment vous pouvez trouver l'alcool de maïs rouge. Voilà, couche comme c'est dénoncé. Celui-là et la préparation, celui-là, et ce qui vient maintenant, c'est à vous. Est-ce que les masques, est-ce qu'ils ont une signification particulière? Si, je vais expliquer la signification et comme ça vous aurez une idée. Mais d'abord, la surprise. Ok. No, espérate. Jonathan. Pam, 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 gatan. Hola a todos, gracias por visualizarnos, Melvin Conoz, a mi amigo Eddie Tomás Canil, a Ventura Sebastián hasta Houston, María de Los Ángeles Ventura, Miguel Witt, Fred Leo, Lipe Val, Evermu, Manuel Martínez, Laura Chon, Marvin de León, Richard Ricardo, Juan Chacaj, Tigresa Zac, Irma Par, Bill Pérez, saludos. Complaceremos con este son que viene en nuestro segundo álbum. Queda por nombre Muy Alegre Compadre.
Pueden encontrar toda esta nuestra música en todas las plataformas digitales y así suena. Toronto de Houston. Este es un intercambio cultural con amigos que nos visitan de Europa. De marimba los machitos. Precisamente este son está en nuestra segunda producción que lleva por nombre Muy Alegre Compadre. Pueden encontrar nuestra música en todas las plataformas digitales, Spotify,
Deezer, YouTube, la plataforma que usted utiliza o su plataforma favorita. Estaba poniendo Marimba a los Machitos. Gracias.
Après, je me présente la famille. Ça, c'est le petit-fils de nos grands-pères, comme on dit normalement, mais c'est-à-dire que la famille essaye de garder l'identité, la culture, la tradition et la danse des Moros. Les effets de 23 décembre chez nous, ils finissent jusqu'à le 16 janvier. C'est là qu'ils vont commencer à sortir à danser à Tonario, des 5 heures du matin avant que le soleil se lève, jusqu'à 6 heures et demie quand le soleil se couche. Et ça, c'est une journée où ils vont faire la danse de Tonario à Chichicastenaco, et il y aura chaque jour un invité, français, italien, allemand, et tout ce qu'il faut, et ils participent dans cette histoire. Est-ce que tu sens que c'est loin? Combien tous les deux donnent comme quoi à ce qu'il y a comme avis? Je vais entre 3 à 4 kilos, 5 kilos. Après, plus, c'est quoi? Quoi, c'est l'eau? Mais c'est qui chauffe vraiment, c'est le visage. C'est pour ça que tu vas te protéger, parce que c'est toute une journée. Et ça commence avec un verre de couche. Et ça finit avec 3 bouteilles de latte. Voilà. À exception de San Marc, c'est ça la tradition. Boire de l'alcool. Et vous imaginez, quand vous avez fini, c'est pour ça qu'ils sont. C'est pour ça. Voilà. C'est la fin de la danse. Voilà. Je voudrais vous remercier pour participer. Parce que c'est pas facile de quelqu'un d'assurer. Voilà. Et merci. Tu l'as fait. Et au nom de la famille, on remercie aussi. Voilà. Et aujourd'hui, la famille, c'est présent. Voilà, la vie, la soutien de la famille, vous voyez, il s'appelle mon chef. Chef, c'est le début de chef. Chef. Et ici, et ça c'est la fille. Après, je sais. Voyons. Ici, nous voyons, parce que combien de fois je n'avais connu pas qui est Louis. Alfredo. Carlito. A Carlito. ¿Y la nena? Lupita. La nena. Lupita. Emilia. La familia. Esa fan fue un honor a su perro de que yo la guitarra. Après, le frère qui joue la xylophone. Voilà. Les cousins qui jouent la batterie. Et le grand-père, le papa, qui commence le stage pour la famille, Miguel. Voilà. Juste au pied, Miguel, je vous présente à Fidel. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous avons mis à vous. Et maintenant, vous êtes. Chez vous, il y a Alexis, c'est un bel bout. Mais il est ici, les secrétaires, je vais vous dire. Alors, vas-y, c'est à moi, si. Thank you.
Ketchup, ya son ketchup. Ketchup.